S'il y a bien un chemin de grande randonnée qui m'aura émerveillé tout autant que fait suer, c'est bien la haute route des Pyrénées. Longue d'environ 800 km, reliant la Méditerranée à l'Atlantique, cette itinérance représente l'apogée de ce que j'aime trouver en montagne. Une nature préservée extraordinaire, de longues autonomies, en pleine et haute montagne. Contrairement au GR10 du côté français, ou du GR11 côté espagnol, ce sentier suit la ligne de crête principale des Pyrénées, et oscille entre 2000 et 3000 mètres. Passant régulièrement en France ou en Espagne, par des cols somptueux, mais difficiles et techniques. Alors installez-vous confortablement, et venez déguster avec moi ces montagnes somptueuses. Et qui sait, peut-être que cela vous donnera l'envie de vous lancer vous aussi dans l'aventure. Bon épisode. Tu sais qu'on va mais on se réveille et puis on va dans des sources d'eau chaude, tu sais. Ah, c'est bien ça. Et c'est oui. Là où il y a plein de touristes. Non, sauvage. Sauvage. Oui. Ah mais c'est génial. Ce matin, difficile de ne pas avoir le cœur lourd après les au revoir d'hier. Le carlite devant moi n'a pas la même saveur, et qu'on le veuille ou pas, on pense à tous ces bons moments. C'est triste quoi. Non, c'est pour se mieux retrouver, Kiki. C'est pas. Se retrouver, c'est sûr. C'est la vie. Et au revoir bientôt. Oui. C'est un peu le moment les plus relous du voyage. Ces petites minutes avant de se dire au revoir. Mais là, ça s'est fait et c'est bon. En plus, maintenant, on est en 2020. Donc on a des téléphones, des GPS et tout ça. On s'appelle, on se fait une touffe et tout ça, mon pote. Je peux t'offrir ça. Voilà, elles sont trop belles. C'est la nature qui m'a offert. T'es trop... On dirait que tu vas à Tahiti là. Je t'en prie avec plaisir. Allez. On se tient au courant. Cool man, je suis content. Merci pour tout. Et puis voilà quoi. Hey cool man, des gros bisous, je t'aime fort. Moi aussi, à bientôt. Je t'aime, mon gars. Bisous. Ciao, ça fait comme si c'est 18 ans d'année qui est passé là. Un peu hein. Ouais. Amis d'enfance, au revoir. Bonsoir. Amis d'enfance, bonsoir. Chaque chose a une fin. Et moi, faut que je reprenne ma route. J'ai encore quasiment toutes les Pyrénées à traverser. Avec aujourd'hui, direction l'Andorre. Et faut rester concentré. Ça fouette ça. Bah. Les Pyrénées ne vont pas se laisser traverser aussi facilement. Entre la grêle, la pluie, les névés persistants et une météo capricieuse sur les sommets, cette traversée de l'Andorre n'a clairement pas été de tout repos. Et puis, progressivement, je m'avançais vers le port de l'Albaye, à 2600 mètres,
pour un retour en France fort en émotion. Une journée particulière. Ah, 2400, encore 200. On est le 16 juin. Et ça fait un an que je suis parti de Strasbourg. Pour une journée anniversaire, à l'image de ce voyage. C'était hardcore la descente. Enfin, la montée aussi. Puis ma foi, bah c'est joli, hein. Mais je pensais pas que j'allais retaper des conditions aussi merdiques à 16 juin à juste 2300 mètres d'altitude, quoi. Mais bon, c'est beau aussi. Ça va faire du bien de retrouver le refuge là pour se mettre au chaud. Je crois qu'aujourd'hui c'était l'une des journées les plus dures depuis le début du voyage. Il y a eu du blizzard, de la neige, de la pluie. J'ai monté un évêque de 200 mètres au crampon. J'ai traversé une cascade en escalade pour passer la brèche pour arriver jusqu'ici. Et j'ai passé la frontière entre l'Andorre et la France. Je suis à 2500 mètres d'altitude. Et c'est assez rigolo qu'il est arrivé tout ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, bah, ça fait un an que je suis parti. Un an que j'ai quitté ma vie d'avant, à Strasbourg, pour me retrouver dans les Pyrénées à me geler des couilles. Ça résume assez bien, quoi, c'est rude, mais c'est beau. Et je me sens libre. Et ça, c'est l'essentiel, non? Joyeux anniversaire, liberté.
Joyeux anniversaire, liberté. Joyeux anniversaire, liberté. Joyeux anniversaire. L'amplitude thermique, elle est assez impressionnante en cette saison. Comme vous venez de le voir dans les images, là il faisait à peu près moins 2 la nuit et puis 2-3 degrés la journée. Et là, juste 4 jours plus tard, plein ciel bleu et il fait, je sais pas, 17 degrés à 1100 mètres d'altitude à 9h30 du matin, quoi. C'est assez impressionnant. Et aujourd'hui, ça va être un grand jour parce que là, on est dans la vallée de l'Artigue. Et là derrière moi là, c'est le port de l'Artigue et c'est la frontière espagnole. Donc aujourd'hui bah, ce sera le premier jour du périple en direction de l'Espagne. Voilà. Espagne, bonjour! Ha! Si vous saviez comment j'étais heureux d'arriver en Espagne. Enfin, l'Espagne. La Catalogne surtout. Alors, même si ça ne change pas grand chose dans les montagnes, je vivais cela avec joie. Comme une toute nouvelle aventure. L'Ariège est une région incroyable. Ces montagnes sont tellement drues, sèches en dénivelé, les vallées sont minuscules, plongent et se redressent très rapidement. Alors il faut oublier ses habitudes, revoir les distances parcourues par jour. Avec presque 8 jours d'autonomie et tout le matos que je trimballe, difficile de faire plus de 15 km quotidiens. Puis, comment vous parler de l'Ariège sans vous parler de ces lacs splendides? Il y en a partout. Tous aussi beaux les uns que les autres. Et l'été a au moins un avantage. On rencontre plein de gens sympathiques, puis on peut s'y baigner dans ces fameux lacs. Et enfin, une dernière chose, méfiez-vous de l'Espagne ariégeoise. Les cairns sont quasiment inexistants, et souvent c'est notre instinct qui nous guide. Alors prenez quelques précautions pour ne pas rester bloqué sous un orage. Exemple au hasard. ça gronde, changement d'atmosphère, je dois avouer. Ça va, l'orage est là-bas. Redescendre et puis le col il était pas facile quoi. Oui, c'est vraiment un plaisir. Ouais, carrément. Et puis bah du coup bon, bonne montée là au col hein. Ouais. Espérons. Allez bisous, ciao. Merci hein. Je suis re tout seul. 2 jours et demi d'une belle rencontre. Ça file la pêche, c'est cool. Ça fait vraiment plaisir.
direct dans moins de 30 km. Ils arrivent en voiture au village de Villa, en Espagne. Et de qui je parle? Et bien de super bons poteaux qui vont venir marcher avec moi pendant les 5 prochains jours. Hey! Oh, salut vous! Comment ils sont là, ce con, hein? Alors, vous fallait venir à pied, hein, vous seriez arrivé plus vite, bordel de merde! Est-ce qu'il était bien sérieux d'amener des amis peu expérimentés à gravir le premier col à 3000 des Hautes-Pyrénées? Je vous avoue que je me suis posé la question pendant toute l'ascension. Contrôler les risques est une chose lorsque l'on est seul et que l'on connaît ses limites. C'est clairement plus difficile quand il faut prendre en compte le niveau de chacun. Alors cette ascension de la Cima de Mulleres, frontière entre la Catalogne et l'Aragon, a représenté un réel challenge. On a tous donné du meilleur de nous, physiquement et mentalement pour eux, car l'épreuve était de taille, psychologiquement pour moi, car il fallait prévoir absolument tout pour diminuer les risques au maximum. Bah moi je pense par la cheminée c'est mieux. Ouais. Mais faut la trouver quoi, et puis faut voir la gueule que ça a. J'ai l'œil droit qui a pas de pleurer de rire, j'arrive pas à l'arrêter. On est prêt ou pas pour les 3000? Yes, qu'on est prêt pour les 3000. 3000 mètres les bros, 3000 mètres les bros. Au final, nous avons tous passé un très bon moment, malgré le stress inhérent à tout cela. Le massif de la Maladeta, qui borde l'Aneto, le plus haut sommet des Pyrénées, est clairement une merveille de la nature. Alors, mon bibou, comment fut ces deux derniers jours? C'était bien, je suis content. Mais c'était bien stressant ici. Et puis, je sais pas, c'est particulier du coup d'avoir la responsabilité aussi d'autres gens que soi-même en montagne. C'est assez... assez stressant du coup pour les autres, mais c'est assez marrant parce que du coup on s'oublie complètement soi-même. Et dans la montée par exemple, dans la cheminée là à la fin, je pense que j'aurais été tout seul, j'aurais un peu stressé quoi. Alors que là j'étais pas du tout stressé pour moi, mais beaucoup plus pour les autres quoi. Attends, je veux dire, il y a de quoi. Ça s'est levé.
Ça caille. Demain, ce petit névé-là a passé. Putain, il fait bader, quoi. Je sais pas combien de pourcents il est, mais... Franchement, il dépasse les 50. Et ça fait un peu stresser, quand même. Derrière, là, toute cette crête-là, c'est l'Espagne, c'est la crête frontière. Ah, c'est que des 3000 tout autour, là. Putain, mais quel bivouac de malade. C'est là-bas que j'ai dormi. Là, on est pas mal sur des névés. Il y a un beau petit lac gelé, là. Et puis, le névé de la mort, il est juste derrière, là. Le col. Ma foi, je crois que c'est l'heure de taper ce névé. Et comme souvent, ça paraît beaucoup plus impressionnant de loin que ça l'est de près. Ça va, ça se fait bien. Ah. Ben voilà, c'est fait. Maintenant, il va falloir redescendre. Les Gourblans ici, tout ça, 3100 si je m'abuse. Et je suis à 2009, au col du même nom. Putain, la montagne, ça fait tellement du bien, putain. C'est tellement parfait, quoi. Puis, après toutes ces émotions, je retourne en Espagne. Un sommet attire particulièrement mon attention. Même s'il n'est pas strictement sur la haute route des Pyrénées, cela vaut à mon sens le coup de faire un détour. Petit casse-croûte là, au petit ruisseau avec la petite étang, c'est un peu baigné, enfin surtout toi. Et là on a surtout la vue, là où on va aller aujourd'hui ou demain. Là-bas on a la cascade. Ah mais c'est quoi là-haut déjà? Là-haut, 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 là-haut. Là-haut on a le mont perdu. Ah oui. Le monter, okay. Tu mets les mains, mais au moins avec ton sac c'est mieux de le monter que de désescalader ça. Ah oui. Et après bah, on arrivera sur la pointe et c'est là où qu'on va dormir. Si vous me suivez depuis un moment,
Vous savez que j'aime dormir sur les cimes. Le calme et la tranquillité de ces sommets quand le soleil se couche est un plaisir infini auquel il faut que je succombe. Mais avant d'aller toucher celle du Mont Perdu, le plus haut sommet calcaire d'Europe, il faut déjà atteindre le lac du Marbouré, à 2600 mètres environ. Très belle ascension. On peut voir le cheminement qu'on vient de faire. Oui. Ah. Oui, 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 oui. Reste attention, parce qu'on n'est pas complètement au sommet. Hein. Non, et regardez là-bas, là. Là, là. Ça, c'est beau. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien ou quoi? Je pense que le bivouac, il est bon. Hein. Ouais, il est pas mal. Hein. Petit bivouac dans la tente. On voit rien du tout, mais... On voit rien, mais tout devant là c'est très joli, hein. On est parti ou quoi? Ouais, je t'attends, hein. On va là-haut. 10h. 10h, eh ben, le Monte Perdido. Après les 2500 mètres de dénivelé positif de la veille, pour s'approcher le plus possible de la cime, l'ascension d'aujourd'hui devrait normalement se passer sans encombre. Ouais. Nickel. Mission du jour, monter le Mont Perdu par le glacier du même nom. Le décramponnage. Décramponnage. D'abord, il faut passer une cheminée assez facile, où une corde fixe a été installée. Ouais. Ensuite, on débouche sur le glacier et la pente se redresse fortement. La première étape, atteindre le col du Cinandre. Environ 3074 mètres. En pleine ascension, sur la fin du col. Ça va, t'en chies ou pas? Ouais. T'en chies ou pas? Ça va. Ça va, tranquille? Voilà, ça va. La pente là de 50 avant, c'était un peu plus... avec le sac un peu plus costaud que le zoo. Bon, ça va, c'est beau, quand même. Du col, on aperçoit le magnifique canyon d'Ordesa. Canyon unique en Europe et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et après, on redescend au lac à 2009. Et après, on va chercher le Monte Cinto. J'ai vraiment du mal avec ce sommet. Le Monte Perdido. La dernière... Le Monte Perdido. Et il y a un bon gros neve là pour arriver là-haut. C'est facile. Yo! Putain! Ça fait attention! Ouais! Le cylindre! On l'a vu tout à l'heure! Troisième sommet des Pyrénées! Plus haut sommet calcaire d'Europe! 3300 combien? 55? Ouais. Et Monte Perdido! Parce que les Français de l'autre côté là-bas, là, eh bien, ils voyaient pas le sommet. Et donc du coup, bah, c'était le Mont Perdu parce qu'ils le voyaient que quand ils arrivaient en Espagne. Voilà. Et puis c'est pas mal du tout. Hey. Thank you.
Ça c'est bien verglacé quand même. Après cette si belle nuit là-haut, il faut bien redescendre. Là elle est bien dure. Là t'as la partie caillasse. On va partir de là, non? Ça pue la merde mon histoire quand même. La peau sur le cul. Bien verglacé. La descente se fait par la voie normale, en passant par le refuge de Goritz. Cet itinéraire, plus simple, nous permettait d'éviter une boucle, de rattraper rapidement la HRP. Caressed me as of time before, then I never will play the white rover no more, and it's no name. Puis comment vous parler des Pyrénées sans vous parler des rencontres que j'y ai faites, tout aussi extraordinaires les unes que les autres. Il y a eu cette belle bande de hippies au pied de l'Aneto, avec lequel j'ai passé une soirée inoubliable. Faire la fête au pied d'un lac, nu, à 2400 mètres d'altitude, ça n'a pas de prix. Bah ce soir Inch'Allah. Ouais. Ce soir Inch'Allah. Grave. No more. Oh. Ouais, merci beaucoup. Y'a pas de chien. Ouais. Et puis bah on se voit demain du coup hein. Ciao. Merci hein. Putain. Il y a eu ce couple incroyable aussi. Mais je dors pas tout seul. Qui m'ont accueilli dans leur van aménagé de l'espace, près de Font-Romeu. Ah. Salut. Vas-y, débarque, débarque. Ça va? Je peux poser les bâtons là? Ouais, carrément, dans la douche. Okay. Hein. Après, en température, en sensation thermique, il y a moins 9, moins 7, moins 7. Bonne nuit. Il est trop chaud comme nous. Bonne nuit. Bonne nuit. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bonjour, bonjour. Bonjour. On aurait dû filmer Pep, ça. En train c'est de te vrai, dire bonjour. On va faire des bisous. Donc merci à ce joyeux couple de cordistes qui passent leur temps libre à voler en parapente dans toutes les montagnes de France. Prenez soin de vous, qui fait bien la vie. Ciao, ciao. Puis le lieu Florian aussi. Le trailer fou. On casse le refuge ou quoi? Qui a fait le GR10 en entier de Hendaye à Banyuls, après le confinement, et qui, trouvant que ce n'était pas assez, a décidé de rentrer dans son pays basque natal par la HRP. Et puis Mamène, une femme incroyable qui a traversé pas mal de montagnes du monde, dont une traversée récente de 3000 km en plein Himalaya, quoi. Avec Florian, on s'est aussi bien serré les coudes sous un orage de grêle incroyable. Et regarde au dehors, le ciel s'est métamorphosé, il y a un énorme nuage noir, boursouflé, comme ici quoi. L'air est lourd et tendu, mais je confirme, j'en peux plus. Je ferme les yeux et tombe dans un profond sommeil, juste là. Des heures plus tard, un petit bruit attire mon attention. Il y a aussi eu cette soirée n'importe nawak à 2600 mètres d'altitude. En face du Vigneman. Oh, merci Antoine en tout cas d'être là. Bah grave, moi aussi. C'est pas Antoine hein. Non, c'est Eric. 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 Il a dit Eric. J'ai jamais su s'ils avaient réussi à se lever le lendemain pour monter le plus haut sommet français des Pyrénées. Bisette à vous.
J'ai eu Mathilde, une très bonne amie à moi, qui manque beaucoup et qui a une ferme dans les Pyrénées, à 2 jours de marche de là où j'étais. Une coïncidence extraordinaire. Et donc, à tous ceux qui ont rendu ces Pyrénées si extraordinaires et conviviales, j'en profite ici pour vous dire merci. C'était chaud. Je crois que c'était la plus grosse cheminée de la HRP, quoi. Et sur un col pas du tout attendu. Ah, mais avec 25 kg sur le dos et un sac énorme. C'était la bonne angoisse, quoi. Bon pas d'escalade. Puis c'était là-bas, du coup. Là-bas, là. Entre les deux roches, là. Ici, là. Cheminée, là. Grosse montée d'adrénaline, après c'est beau. Les magnifiques lacs là, donc là je suis en Espagne, je suis au col qui est derrière là-bas. Col d'Arémouli, pour arriver au refuge d'Arémouli. Et ce col là, bah, a priori c'était le dernier col que je passe au-dessus de 2005. Après j'arrive dans le Pays Basque et on descend vraiment beaucoup. Du coup ça y est, les Hautes-Pyrénées c'est terminé. C'est terminé par un truc pou 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 pou, hein. Adrénaline, adrénaline, hein. Après les Hautes-Pyrénées, qui ont demandé un engagement physique et mental conséquent, j'amorçais les dernières étapes de cette traversée. D'abord le Béarn. Le changement est brutal. On retrouve l'herbe qu'on avait parfois oubliée, puis les pâturages d'estive aussi, avec des centaines de brebis qui dévalent les cols et de beaux chevaux perdus dans la brume. Même si les paysages sont moins lunaires, il n'en reste pas moins somptueux. On retrouve le calcaire dans le coin du pic d'Agny, avec de belles falaises. Vous connaissez un peu les ascenseurs émotionnels de dingue ? Ben là, je viens d'en vivre un fort, parce que je viens d'arriver à 2002 après 800 mètres d'ascension. Je viens de voir la première vue de la mer qui est là-bas, enfin de l'océan. Donc j'étais trop heureux, quoi. Ça fait des jours que je l'attends. Et je me dis, bon, je vais mieux les voir avec mes lunettes de soleil. Puis je cherche mes lunettes de soleil. Avec toutes mes cartes de crédit et tous les trucs importants dedans. Et je l'ai pas eu, donc j'ai vidé toutes mes affaires et j'ai appelé le refuge, et il est au refuge. Du coup, j'ai monté 800 mètres pour rien. Du coup, ça a fait un peu le sommet des Pyrénées au niveau mental et effondrement parce qu'il faut que j'y retourne, quoi. A few moments later. Yacha. Bon. Autre à la case départ, 1000 mètres de descente, 1000 mètres de remontée, et en 2h15, je suis un peu éclaté, mais j'ai retrouvé mon portefeuille, du coup c'est cool. Et puis dans les malheurs, il y a toujours des choses de positives, le trail, ça a l'air vraiment cool. Et deuxième truc, bah, les gens sont adorables, quoi. Du coup il y a le mot qui est passé autour du sommet là, que mon portefeuille était perdu. Et du coup, dans la remontée, il y avait tous les gens qui descendaient. Et du coup, ça a été un peu le « Alors, ton portefeuille ? Alors, ton portefeuille ?» Il y a des gens qui m'ont donné des fruits secs, merci beaucoup, qui m'ont soutenu, qui étaient trop là. Et ça, c'était vraiment, vraiment... bah, ça fait plaisir, hein, toujours. Et puis, ma foi, je sais plus où j'en étais. Ah oui, c'était « On voyait la mer, j'étais heureux. » Et je voulais vous montrer un petit plan drone du coin. Et entre le rangement, le drone, et puis un peu de repos, c'est pas tout ça, mais il est 18h. Comme vous voyez, c'est un peu un désert de roche ici. Pas le meilleur endroit pour bivouaquer, donc il va falloir bouger son boule. Et puis aller trouver, reposer la tente et mourir peinard un peu.
Il y a des jours. Dernier 2000 avant la fin des Pyrénées, plus que le Pays Basque, à peu près une petite semaine de marche. Ben, ma foi, c'était une belle traversée ces Pyrénées, c'était assez extraordinaire, des montagnes de fous, j'y retournerai de toute façon, je sais pas quand, mais c'était montagnes de psychopathes, voilà. Et Piclory. Petite cabane du Hobbit, ça. Après, la lumière, c'est génial. T'as vu ça encore? Il n'y avait plus de bière ici. Il y avait de la bière ici. Ah, il n'y a plus de bière. Mais c'est pas grave, ça. Hein. De l'eau? Oui, il y a de l'eau. Il y a de l'eau aussi. Là, c'est génial. Un petit miroir. Merci, hein. Un petit bouquin. Cahier de vie de la cabane d'Angus. Qu'est-ce qui rend heureux ? Sentir la douceur du soleil sur mes joues après 4 jours de pluie, entendre les grues passer, voler très haut dans le ciel bleu, annonce du printemps, la neige qui scintille et craque sous mes pieds, décor de rêve et riche en souvenirs joyeux de mon enfance. La neige est un jeu. Une luge bleue pour tirer la nourriture comme si c'était un traîneau, esquisse d'une grande expédition au pôle Nord, rendre l'effort possible. Et quelle rigolade au retour. Se promener, se mettre en mouvement, courir, s'enfoncer et jouer, s'amuser dans la neige. Une tisane chaude dans le froid nous saisit à la nuit tombée. Une petite cabane où il fait chaud, une fois le poêle lancé. Un peu de confort après une journée dehors. Simplicité, partage et attention y règne. Que c'est doux. Merci. Le calme retrouvé. Émilie et Zoé. C'est sous un soleil torride et en pleine canicule que j'amorçais cette dernière semaine. Et déjà plein de nostalgie à l'idée de terminer ces si belles montagnes. Ici, fini les ascensions de plus de 1000 mètres. Alors on allonge le pas, avec plus de 25 km quotidiens. L'idée de toucher enfin l'Atlantique devient de plus en plus prégnante. Omnubilante même parfois.
Dernier jour, à ce moins de 10 km, je me suis dit qu'un petit chemin abandonné pour finir, c'était sympa pour clôturer cette HRP. Regardez. Ah, est-ce qu'on voit la mer? J'essaie de marcher en parlant, ce qui n'est pas gagné. Je suis pressé d'arriver, même si le flux de touristes m'angoisse un peu, je vous avoue. Je croisais des gens qui commençaient la HRP ou le GR11 là, qui m'ont dit que Hendaye c'était blindé, qu'on n'avait même pas la place pour aller sur... Putain! On n'y est pas encore. Hein. Voilà! Les Pyrénées, c'est terminé! Quel sentiment d'accomplissement, de fierté aussi, de toucher enfin ce doux océan. Plus de 800 km et 55 000 mètres de dénivelé positif, dans des montagnes drues mais superbes. Sans aucun doute l'une, si ce n'est la plus belle, étape de mon périple. Je ne peux que vous recommander de parcourir ces montagnes. Puis maintenant, pour moi, c'est l'Espagne qui s'ouvre devant moi. À très bientôt.